joue à deux pointes côté marseillais. Michael Bodegas et Thomas Vernoux. Et Thomas Vernoux qui récupère l'expulsion et un premier but d'Hugo Cruzilla. Son entrée. Et qui marque dès sa première. Voilà, on va voir s'ils refont un petit peu la même chose. Voilà, on attire le ballon côté. Oh là. Oh là là, il y a un décalage. Et, ouais. Et but, deuxième but de Daniel Angial. Voilà la défense. Voilà, elle est importante hein, celle-là pour le CR 91-13. Faut la défendre. Hein. Et okay, très ouais. Beau but d'Alexandre Boué qui arrive à passer sur. Oh là, c'est joué vite au premier poteau. Voilà, très bien joué là. Encore et un arrêt. Parade. Et oh but. Là, là. But de Michael Bodegas. Ouais, on cherche à. Je pense qu'il cherche à. Voilà, au deuxième poteau. Et Thomas Vernoux. Ouais, la spéciale. Numéro 11, Matkovic. Et du joueur numéro 8, Tom Betail. Et penalty obtenu par Rémi Sodadier. Et voilà. Allez, 20 secondes d'attaque. Rémi Sodadier qui est repassé derrière. Oh là ! Super but. Ce que je cherchais. Hein. Oh, Angial n'a même pas. Il n'a même pas contesté. Il n'a même pas contesté. Ouais, gros décalage. Et ouais. Ça termine sur Rémi Sodadier. Pour la première attaque. Et à partir de la seconde attaque, s'il y a une. Un corner, c'est 20 secondes, une exclusion. Et Ante Vukicevic qui trouve la lucarne de Clément Dubois. C'est une... wow. Et très beau but d'Hugo Cruzilla. Ouais. Le lendemain et arbitrer une finale de Coupe de France. Et ça reste à noter dans le palmarès. Oh, oh là. Beau combat entre Rémi Sodadier. Oh. Et... oh là. Et très beau but d'Emile. Emile Bjorche. Bon, on sent bien Hugo Cruzilla se positionner pour la finition, on va voir, mais. Ah non. Et but. Andrea Perlino. Allez, dernière attaque. Ah non, il restera quelques secondes quoi qu'il arrive. Et nouveau but d'Andrea Perlinovic. Et ouais. Très beau but de Victor Razovic. Surpuissant. Belle pause en pointe hein, sur un passe légèrement désaxé. Et finition au premier poteau. Oula. C'est une dé- très beau but de Denis De Carmo. Alors qu'on n'a pas souligné, mais le un joueur du CR 93. C'est Emile Bjorche. Ouais, tu l'as dit. Exclusion du joueur marseillais. Et pénalty. Ouh, il la touche encore.